لاو نيل مدن تمزيغت نسنس نسشي وري نرسن نسنس صريح Je disais donc que pour apprendre le berbère, il ne fallait pas se laisser aller, il fallait surtout commencer à étudier, lire, badiner, étudier, comme en hébreu, l'imou, étudier. C'est une langue sémitique, camuto-sémitique, qui est une histoire commune avec les juifs, chrétiens, musulmans, européens, phéniciens, grecs, arabes et juifs. Non, ben, donc il faut étudier. Je vous propose une bibliographie. Alors, elle est légère, il n'y a pas énormément de livres. Les trouver, ben, je vous donne l'édition. Alors, on a l'Harmattan qui a publié La langue berbère. André Basset, c'est un livre de référence, Présence berbère, donc à l'Harmattan. Vous avez ce livre-là. Vous pouvez retrouver Morphologie, le verbe, étude de thème, donc toutes les racines quasiment berbères avec, selon les régions. Sinon, vous avez la grammaire du berbère, avec l'alphabet berbère présenté en première de couverture. Rifin, Tamazir, Schleuch. Michel Kitou, l'auteur, et c'est encore une édition à l'Harmattan. L'Harmattan a des librairies à Paris, en province, il faut commander. Sinon, nous avons l'Asiathèque, Langue du Monde. Il me semble que c'est l'INALCO qui a proposé cet enseignement par Abdallah El-Muntassir, Afrique-Orient, Initiation Tashelhit, Ransawel Tashelhit. Là, c'est plus monde parler à moi, Tashelhit, et qui guère Tashelhit, Tim Glaïwen, Sennemetstaf, Riyad, Tim. Parce que, je veux dire, je trouve la douceur, le grave, ça veut dire se reposer, se soigner, la douceur. C'est comme ça que je le traduis, parce que c'est une nuance de sens. La douceur, je la trouve dans la famille berbère. Oui, il y a attaché. Dans les proches, les liens. Familiaux, sociaux, verts. Voilà. Donc, c'est normal, j'étudie les tachéfriques, mais là, la référence, les bibliographies que je vous ai données, c'est pour l'ensemble des parlers berbères.